Putain, mais y'a ton sein qui sort! Mais tu vois pas que je le dis bien? 28. 28. 98. 98. 98. 98. 108. 108. 208. 208. 1998. 1998. 2008. 2008. 1908. 1908. Non, t'as réduit ça. On se réveille, c'est le matin. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? J'ai ouvert mon colis recyclable du Petit Athlétique. Toute nouvelle marque française, les amis. Cette marque-là, c'est le futur marque française. 100% en respect avec l'écologie et avec la reforestation. Incroyable. C'est produit au Portugal, donc au plus proche de la France. Produit de très haute qualité qui respecte bien sûr totalement l'environnement. Tout est recyclable, même la box qu'ils vous envoient les colis. C'est incroyable. Cette marque-là, je vous rappelle que elle est produite en France, qui préfère la qualité à la quantité, ce qui veut dire qu'il y a peu de modèles, peu de choix, mais tout est vraiment parfait. Il y a plusieurs shorts, voilà, c'est vraiment pour le sport et pour chiller aussi à la maison. Et je trouve ça vraiment très très sympa qu'une marque française s'engage autant dans l'écologie. C'est une marque qui est en pleine expansion, du coup il y a encore plein de produits qui arrivent pour les femmes. Il y a des brassières, il y a des short leggings pour le sport, pour les mecs il y a des débardeurs je crois qui arrivent, des jogging aussi. Il y a encore plein de choses qui arrivent, mais surtout pour terminer en beauté, ils ont organisé un jeu concours que je vais poster sur mon Instagram cet après-midi. Donc restez bien à l'affût, ils font gagner une paire d'écouteurs sans fil pour le sport JBL qui sont incroyables et une tenue complète pour le sport du Petit Athlétique, c'est magnifique. Donc je vous poste ça, je pense, d'ici 2-3 heures. Accepte. 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 Juste parce que j'ai un complexe, j'arrive vraiment pas à parler. Ça sent la fin des vacances. Mais en beauté, hein. On va finir en beauté, c'est vraiment. Qu'on finit en beauté. Parce que ce soir, à minuit, au festival Bonaparte à Fréjus. Non, à Saint-Raphaël. Saint-Raphaël. Ça va être la folie parce que je vais faire la reprise. Je vais laisser pour moi, trop bien. Aïe. Oh, pardon. J'aime bien ton bras, wesh. Pardon. Nouveau t-shirt Zélis. C'est con. Je vous en parle juste après. J'ai eu peur. Ah bon? Oui. Ah bon, merci. Moi, tu m'as fait peur. La meilleure photo. J'ai le meilleur flag du monde, les amis. Mais qui es-tu, toi? Mais tu es qui, toi, Néouda? Je veux trouver cette personne. Envoyez-moi un DM cette personne. Qui est cette personne? Voilà. Il a l'air de se rincer l'œil, incroyable. Il est vraiment bien là.
Il se met vraiment, ouais, vraiment bien. Là. Pas mal, Addiction. Il se met vraiment bien. Lui. Et après, il a 20 ans dans son caractère, je pense qu'il est en phase de téléchargement. Et le côté positif, c'est un bon garçon. Je pense pas que ce soit quelqu'un de mauvais. Je pense que dans le fond, c'est quelqu'un de bien. Moi, je crois que c'est un peu quand même... C'est un petit peu quand même un petit gosse gâté. Parce que quand même, genre, il croit que tout doit lui venir comme ça et puis il prend vite la grosse tête. Non, après, ça casse le dit. Genre, moi, je l'ai déjà entendu dire des trucs du genre, ouais, je suis le numéro 2 du RDM, tu vois, genre des trucs comme oui, ça. Oui, mais il a 20 ans, ça, tu peux pas lui en vouloir sur ça. Oui, 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 mais bon, bon attends, il se la raconte oui, quand même. Attends, à 20 ans. Il se la racle. Je suis super déçu, je suis super triste de ce que je viens de voir. C'est mon ami, pourtant, que j'ai au téléphone il y a même pas une semaine. On s'est appelé, un mec que t'appelle, dit ah, bisous mon frérot, bonheur à toi dans ton couple, machin. Peut te tirer dessus comme ça sur une vidéo YouTube. Ça, je suis choqué. En fait, on peut. En fait, il n'y a pas d'amis. C'est à vomir. Je comprends pas. Je comprends pas. Le pire de tout, c'est que Mujdad qui dit au début que oui, ok, j'ai pas de caractère. Bon, ça, c'est ce qu'il croit parce qu'avec ce qu'il y a eu, je peux comprendre, mais t'inquiète pas, frérot. Mais le pire, c'est qu'après, Mujdad veut me défendre. Mais lui m'enfonce, c'est-à-dire que mon ami m'enfonce quand le mec qui est censé être pas mon ennemi mais pas mon ami veut me défendre, lui m'enfonce quoi, c'est du jamais vu, c'est du jamais vu sur Terre, voilà, voilà comme quoi j'aime les gens mais il faut aimer personne.